Dans le cadre de ce qu'on va appeler les techniques post-exploitation, vous serez amené parfois à pouvoir exploiter des vulnérabilités ou des CVE connus. Donc, ce ne sera pas toujours des techniques qui vont pouvoir exploiter des faiblesses, des fonctionnalités, des GPO ou autres dans un contexte AD. Ça peut être aussi des CVE comme Print Nightmare ou encore une des CVE que j'exploite personnellement le plus dans les contextes AD, c'est Zero Logon. C'est une vulnérabilité donc, qui est assez récente mais qui est encore très très propagée dans les environnements AD. Cette vulnérabilité existe en raison d'un défaut dans le contexte ou dans l'utilisation du système cryptographique d'authentification donc du protocole NetLogon, protocole donc de connexion ou de prise de contrôle à distance, qui peut donc être utilisé afin de pouvoir mettre à jour le mot de passe de l'ordinateur, c'est-à-dire celui de ou du contrôleur de domaine. Cette faille permet à un attaquant d'usurper l'identité du contrôleur de domaine lui-même et de définir le mot de passe sur une valeur connue ou vide dans certains cas, afin que l'attaquant puisse désormais se connecter au contrôleur de domaine et devenir administrateur du domaine sur le réseau, mais aussi récupérer d'autres informations très intéressantes, notamment tous les identifiants d'utilisateurs et les différents hash du mot de passe. Je ne rentrerai pas dans les détails du fonctionnement et du contexte de cette vulnérabilité, puisqu'on va avoir une formation dédiée au Pentest AD avec tous les détails dessus. Je vous dis à tout de suite dans notre lab. Afin d'exploiter cette vulnérabilité, il suffit d'aller sur notre machine Kali et de lancer Metasploit. Effectivement, cette CVE est intégrée au niveau de ce dernier. Ensuite, je vais faire un search Zero Logon afin de pouvoir identifier l'emplacement de cette dernière. C'est donc l'identifiant 0, il n'y en a qu'une seule d'ailleurs. Et je vais choisir Use 0 pour choisir donc la vulnérabilité en tant que telle. Une fois choisi, je fais Show Options pour voir quelles sont les options qui s'offrent à moi. Donc, c'est-à-dire les options que je dois renseigner obligatoirement. Donc là où on a Required est égal à X. Je renseigne donc les informations, notamment le Rhost. Donc Rhost qui va être tout simplement le nom de la ou l'adresse IP de la machine cible, qui est en fait mon contrôleur de domaine. Et on a le NVName, donc le nom NetBIOS de la machine. Si vous vous rappelez, on l'a récupéré précédemment. Si vous ne l'avez pas fait, ou si vous êtes dans un pentest et vous n'avez pas forcément une idée de ce dernier, vous l'avez perdu ou autre, vous pouvez toujours utiliser crackmap.exec, suivi par donc tout simplement votre sous-réseau. Donc là, vous récupérez quasiment tous les NVT names de toutes les machines sur le réseau. Sinon, vous pouvez aussi spécifier simplement l'adresse IP concernée pour pouvoir récupérer seulement et seulement le nom NetBIOS de cette dernière. Sachant que crackmap.exec peut être aussi utilisé pour des tâches de reconnaissance, chose qu'on va pouvoir détailler dans de prochaines formations. On retrouve ici donc le nom NetBIOS de notre machine. Je reviens ici, je fais un set NBName, ensuite le nom NetBIOS et ensuite je clique sur Exploit. À ce moment-là, l'authentification aura fonctionné correctement et la machine ou le mot de passe de la machine sera tout simplement donc remis à zéro, c'est-à-dire remis à une valeur nulle, c'est-à-dire empty. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de pouvoir utiliser un outil comme Secrets Dumps pour pouvoir accéder à notre machine, donc comme vous pouvez le voir ici, et spécifier qu'il n'y aura aucun mot de passe au niveau de l'authentification. Ce qui me permettra donc tout simplement de me connecter à la machine de la victime, c'est-à-dire mon contrôleur de domaine, et de dumper tous les comptes comme vous pouvez le voir ici, donc présents au niveau de notre domaine. Donc là, on dump vraiment tout ce qui va pouvoir concerner aussi bien donc la base SAM, donc comme vous pouvez le voir ici, donc les usernames, ainsi que leur hash, et tous les utilisateurs au sein du réseau. Donc à ce moment-là, tout ce qui me reste à faire, c'est soit en fait effectuer des attaques passe de hash, je peux aussi essayer de brute forcer les mots de passe, et ainsi de suite. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une attaque très très dangereuse et très simple à mettre en place. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.